dans le cadre de l'association Adifi-Bois-Berry et en partenariat avec la communauté de communes de Champagne-Berrichonne, on avait déposé un dossier de candidature pour un pôle d'excellence rurale auprès de l'État en 2010 et on a été labellisé et retenu. Le thème étant la valorisation des fibres végétales en Champagne-Berrichonne. Donc des fibres végétales, là vous en avez de la paille, du panneau de paille, bientôt du chanvre également qu'on va mettre en corne d'enduit. On est vraiment sur des fibres locales. Ce projet a fait l'objet d'un appel d'offres avec un certain nombre d'entreprises qui ont répondu. Et là l'entreprise qui travaille avec nous, c'est une entreprise du Loir-et-Cher qui avait déjà utilisé cette technique de construction de murs paille. Par contre là on lui a fait... faire passer une nouvelle étape puisqu'elle utilise du chêne, du peuplier, du panneau de paille compressé et de la botte de paille. Donc on est vraiment 100% sur des matériaux que l'on trouve dans notre région et qui sont disponibles largement dans notre région. C'est moins cher, ça valorise les agro-matériaux, comme on dit, locaux. Et comme vous dites, c'est aussi rapide, puisqu'on a commencé ici il y a peut-être, on est au mois de mars, il y a 3 semaines, 4 semaines, et on aura fini, je pense, au 15 juin. Donc ça va assez vite, et je pense que tout le monde s'est bien mis, pour beaucoup d'artisans locaux, c'est une première aussi. L'avantage, c'est qu'on a une étanchéité à l'air qui est impeccable. On rentre tout à fait dans les règles de l'ART 2012. On a un mur qui a un R de 10, donc une isolation qui dépasse l'ART 2012. On est plutôt, on aurait bien 10 ans d'avance. La maison est biodégradable en gros. Si on imagine dans une centaine d'années quand il faudra modifier ou réemployer, comme on voit tous nos immeubles qu'on rase au fur et à mesure au bout de 50 ans, là en fait tous les matériaux pourront faire du bois énergie. C'est-à-dire que la maison comporte moins de 5% de plastique. On a commencé il y a exactement 6 ans et demi. On a construit donc une maison, la première maison, et aujourd'hui on est rendu à les sortir quasiment à la chaîne. Donc, malgré la crise immobilière, on arrive à produire des maisons très basse consommation, à des coûts tout à fait raisonnables du prix du marché.